Passons maintenant à la correction de l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, hein, quand on regarde le solide ici, il faut décomposer ce solide comme d'une part le prisme qui est là-haut. Donc, ici, quand on regarde ici ce prisme, on a R de la base fois hauteur, puisque ça monte tout droit. Attention, il ne faut pas dire que ça monte en pointe. Hein. Ici, ça, ce n'est pas un sommet, mais c'est une arête. Donc ici, vous avez la même, surface, la même euh, face ici et derrière. Elles sont superposables. Donc ici, c'est un prisme. Hein. Donc on a R de la base Fois hauteur. Donc l'air de la base, c'est un triangle. Donc pour l'air du triangle, on fait base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est l'air de la base. Fois la hauteur du prisme. Alors, pour la base, ici, quand on regarde, on a 3,10 m. Donc, ça signifie que là, la longueur de la base, eh ben, vous avez quoi Vous avez 3,10 m et vous avez la hauteur, 0,75 m. Donc, on fait 3,10 x 0,75 m. Ça, c'est la, la base fois la hauteur divisé par 2, ça permet d'avoir l'air du triangle. Et ensuite, on multiplie par la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, ici, c'est le 3,70. Et une fois qu'on a ça, bah simplement, on tape à la calculatrice. Donc, on a 3,10 fois 0,75 divisé par 2. Et on fait fois 3,70. Donc, si on met la valeur exacte, 4,30125. Toutes les longueurs sont en mètres, donc on a mètre cube. Maintenant qu'on a le volume de tout l'air qui est sous la toiture, on va donc calculer le volume qui est en bas. Donc, le volume qui est en bas, c'est un pavé droit. Donc, si on le décompose, on a à peu près la figure suivante. Donc on a 370 ici, on a 3,10 ici, et vous avez 2,15 ici. Donc ça monte tout droit, on a longueur fois largeur, pour ça c'est pour l'air de la base, fois la hauteur. Donc 370 fois 310 fois la hauteur de 15. 370 x 310 x 2,15 et donc vous trouvez un total de 24,6605. Pour avoir le volume du tout, on écrit volume total égal V1 plus V2, volume 1 plus volume 2, donc 4,6605. 3, 0, 1, 2, 5 plus 24,6605. Donc sur votre calculatrice, pour aller un peu plus vite, on peut remonter comme ça. Et ça fait donc un total de 28,96175 175 mètres cubes. Donc évidemment, on va arrondir un petit peu. On va dire que c'est à peu près 29 mètres cubes.